Ouais, j'en ai plus rien à foutre de mes intros. Bon, les gars, on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série. Quelques news à vous donner cette semaine. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, tous les dimanches ou tous les lundis, en fonction d'à quel point j'ai la flemme de faire le montage, on se retrouve pour que je vous donne un petit peu l'avancée de mes réseaux, où est-ce qu'on en est. Je sais que la semaine dernière, j'avais dit que cette semaine, ça serait plus structuré, mais on va encore faire en freestyle. Voilà, c'est des vidéos courtes où je peux juste vous expliquer un petit peu où on en est. Vous pouvez traquer l'avancée et comme ça on avance ensemble. Pour revenir sur le sujet principal de la vidéo de la semaine dernière, j'avais fait une vidéo nulle, mais vraiment nulle la vidéo. Elle avait fait grave de vues. Bah, c'est encore pire, les gars, maintenant. Elle a fait 100 000 vues sur Instagram. C'est bon, moi maintenant je peux flex, mais genre 100 000 vues, ça m'a rapporté, je crois, 3 abonnés. C'est honteux. Bah, après, c'est pas un contenu pour que les gens s'abonnent. Bref, ça y est, cette vidéo, elle m'a saoulé. Elle a fait grave de vues, mais ça me servait à rien. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a le premier épisode de mon podcast qui est sorti avec Alex. Vous pouvez aller checker juste ici, c'est sur la chaîne. Les gars, j'ai un petit truc à vous annoncer. En fait, on voit partout sur les réseaux, etc., plein d'extraits de podcasts avec des sous-titres, tout ça, en short, format, genre 30 secondes. Et du coup, là, je veux vraiment voir si ça marche, ok? Mais je m'excuse par avance pour ce qui va se passer. En tout, j'ai fait 15 shorts, extraits de ce podcast. C'est peut-être un petit peu excessif. En gros, là, toute la semaine qui arrive, vous allez être spammés, ceux qui me suivent sur TikTok et sur YouTube Short. Désolé, vraiment, je m'excuse par avance, mais il faut que je vois si ça peut percer. Ça veut dire si à la fin des 15 shorts que j'ai publiés, il n'y en a aucun qui a vraiment pris au moins genre 10 000 vues, tu vois, et qui m'a rapporté des abonnés, le prochain podcast, j'en ferai que 2 ou 3. Mais là, je suis en phase de test. Désolé pour vos feeds, vous désabonnez pas. Voilà, donc ça c'est pour ce qui s'est passé cette semaine. Ensuite, les projets pour la semaine prochaine, je suis en train de travailler sur une grosse vidéo qui va vraiment pouvoir aider pas mal de gens. Donc j'espère que je vais bien gérer mon référencement. La vidéo, normalement, elle va être quali. Pour ceux que ça intéresse, le sujet, c'est comment rédiger son mémoire. Et vraiment, j'ai énormément de bons conseils que je donne dans la vidéo. Je viens de la tourner hier soir, je suis en train de faire le montage, ça va être un petit peu long, mais ça devrait sortir au courant de la semaine. C'est vraiment une vidéo qui peut aider pas mal de gens, donc si jamais vous la voyez, vous êtes étudiant ou vous connaissez des gens qui ont un mémoire à faire, envoyez-leur, ça leur sera vraiment utile, j'en suis convaincu. Et bref, sinon, ce qui va arriver sur la chaîne, là, pendant la semaine, bah, ça va être les shorts, hein, vous allez vous faire spammer de moi qui parle dessus chez Random. Je suis arrivé aux États-Unis, à ce moment-là, je connaissais une meuf, t'arrives à l'aéroport de Los Angeles, il est 18 h, t'as pas dormi depuis 26 h, et t'es en mode, ok, je dois aller là-bas. Comment je fais? Parce que moi, à ce moment-là, j'étais un crevard, c'est-à-dire que je voulais pas prendre de Uber. Ensuite, je peux aussi vous faire un petit teasing. Normalement, si tout se passe bien, il y a Quentin, un de mes potes, qui vient aller la semaine prochaine, du jeudi au dimanche. En soi, ça, on s'en fout, tu vois, mais ce qui va être drôle, c'est qu'il veut absolument aller à la salle et qu'il n'y est jamais allé. Donc, en gros, on va faire une trilogie de vidéos pour les débutants, comment bien commencer la salle, etc. Donc ça ne sortira pas la semaine prochaine, mais ça commencera à sortir encore la semaine d'après. Normalement, ça va être pépite, ça va être vraiment du bon contenu. Il y a pas mal de choses qui sont sorties cette semaine, beaucoup de projets pour les 2 semaines à venir, donc franchement, ça fait plaisir. Sinon, le petit rituel de ces vidéos, l'avancée des différents réseaux, vous les affiche juste ici. Pour l'instant, sur YouTube, ça va, on avance plutôt bien. Sur les autres réseaux, ça stagne de ouf, mais je sais à peu près pourquoi. Enfin, je vais mettre en place les choses pour que ça avance plus vite. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais l'objectif avant la fin de l'année, c'est d'avoir les 1 000 abonnés sur YouTube. Donc abonnez-vous, ça ferait toujours plaisir. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que je pourrais améliorer, même si voilà, je veux garder ce côté un peu authentique. Ça me fait du bien de, au moins une fois par semaine, pouvoir parler de trucs que je veux sur ma chaîne. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. On continue, on avance. Et les gars, je vais vous montrer que c'est possible de percer. On reste ensemble.